Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 12 octobre 2021. Le plaisir est pour moi, monsieur Eri Tingashi, de partager quelques poignées de minutes avec vous autour des sujets d'actualité qui défaillent la chronique. La quatrième émission, Tobé Tamasolomi Balé. Il y a les bossos, Tobé Tamasolo. Il y a tweet, il y a ministre, ancien ministre, il y a gouvernement. Ilukamba, qui est l'actuel secrétaire général à INC, Union pour la Nation Congolaise, parti cher Ndeko Vital Kamerhe, Oyo a qualifié état de siège instauré par le président de la République dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, na Ituri, d'un échec. Tobeta Masolo, Toyeba, pourquoi il a dit ça? Est-ce a-t-il raison? Est-ce que Zali les Kambouya positionnement? Est-ce Azali contamé divorce entre IDPS et INC? Parce que nous savons que depuis un certain moment, climat est allé malamouté, nakati y a formation politique. Voilà. Dès Tobeta lobby, Tobeta Masolo y a audience au président et assemblée nationale, c'est-à-dire le président Mboso Kodia. Et son bureau, Bakordaki, n'a quelques ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Ce sont des ambassadeurs africains, tout au plus 12 ambassadeurs. Mosokolia et les bureaux de l'Assemblée nationale, Beteki Masolo, il y a processus électoral. Mais c'est pas garanti, ainsi de suite. Tozobetango, Toyeba S, le président de l'Assemblée nationale, et Sengeli Bonaye, à Bengisa. Ambassadeur pour leur communiquer sur un sujet où l'Italie souveraineté n'a pas le roi Makambuya élection. Est-ce qu'ils allaient manquer? Il y a boyébité, ils allaient manquer, il y a dignité pour nous parce qu'à tout moment, tout le monde a raqué. En République démocratique du Congo, tout le monde a ambassadeur. Est-ce nos ambassadeurs, le monde a été payé hier? Tout ce qui est dans la émission. Je commence par vous dire, Ndekonangaï. Chers compatriotes, je suis très consterné, très indigné. Nazoyo kapasi na mouté manangaï, natitude oyo ba kondi yambuka, bazo manifesté. Naufrage et salaméguinde na betiango, jusqu'à l'élo nazo zela, ata communiqué à pamba ya gouvernement de la République, notamment par les canaux, il y a ministre, il y a communication, aïe bisaba congolais, ne serait-ce consolation, message à consolation, tout message à condoléance à gouvernement. Nazeli, nazeli, ti l'élo. Message ya kakakate na mituni est bakangie munoko est ce bakangie maboko ba ligoté po lobezate pourquoi ba kondi mboka lorsque ba congolais bazali indigné tomba ndeko ba kufi plus de 250 personnes ba bungisi bo moyina bango gouvernement de la République munoko ekangama message de compassion ezalité na mituni ce qui coûte compassion ezalité est ce bako prendre en charge ma victime. Est-ce que deuil national exalaki tant au président Idriss Déby à Koufaki, nous avons vu les drapeaux de la RDC en Berne. Ce qui moutumoka koufi na France ou ka communiqué ba continent. Mais quand le Congolais maire silence radio attitude ou anezali ya irresponsabilité, je continue à attendre communiqué ya gouvernement de la République par rapport à un naufrage de Salami na Bumba. Tu continues à siéger à Liboso. Tu as dit que 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 tu as dit Vital Kamerhe, as dit état de siège et Zali échec. Il est temps de réévaluer Ango. Pourquoi tu as dit intervenir? Depuis certains jours, un à trois jours, bah, tu as un jeune homme qui était en complicité avec les ADF na partie Nabissou Est et selon certaines langues, selon Batumoussousou, Balobi, moi, je suis un Bakangi, qui frère ya Billy Kambali, Ouazali, secrétaire général de l'INC, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Tangou, effectivement, et ça l'étoile, certains médias ont alimenté des débats. On a balobi, Moutoyo, Bakangi, pas en complicité avec les ADF Nalou, et ça l'étoile, il y a Ndeko Billy Kambali. Nde yangwana a fandi, a koki ko supporte te, nde a tweeté. La tweet n'est à lobby, état de siège, et ça échec. Banda, me. 2021, Mokondi Mboka, un situé qui est un tissico et ça libère résultat. A lobby boye, a yebi bien que na Congo soki un nande, parce que bon, il va zali ba nande, a lobby soki nande moko, un leader nande, a zali kote le mela ba massacre, yabande konaye ba nande,
bah qualifié kayekaka de complicité avec les terroristes et avec les Dadef Nalo. Ndemo tuna na ngai na saliko tuna. Est-ce position il y a secrétaire général il y a INC Ezali de nature à promouvoir la paix na kati ya coalition na bango FCC et CASH vous allez UDPS na INC ou Ezali ko jeter de l'huile au feu parce que déjà nous le savons si très bien il faut tout ça la honnête relation ya INC na UDPS Ezali ramala mosu souté même si na TV ba ça la rassemblon. Même si na TV sur le média ba ça la hypocrisie c'est normal c'est ça aussi mystère à la politique. C'est ça aussi nature cachée, profonde de la politique. Les gens sont réunis autour des intérêts. Tant que l'intérêt est à Nézali, on continue à causer l'ensemble. Ce qui est intérêt à les société, c'est à Kabwana. Et je sens que l'arrestation de Vital Kamere est portée qui coumoura ma kasi na kati ya relation UNC UDPS même si na gouvernement au Ethiopie il y a Ndeko Sama Lokonde l'UNC a été représenté basu ma portefeuille est belé basu le quoi ministère ya budget basu ministère je crois bien il y a hydroélectrique je crois avec Estage Moyand ça dit basu quand même ba ministère nenge ba yokanaka na ba corps na bango mais ils estiment que l'état des droits au Ezali instauré, promis par le président de la République, et Ezali Kosa la victime, et Vital Kamere répond à Bango, Ezali jusqu'à la preuve du contraire, victime, il y a machination, il y a état de droit. Il y a des gens qui voulaient les liquider, il y avait des gens qui en voulaient à lui, mais bah, créer de toutes pièces, ma solo, il y a implication, naïe, nakati, il y a bah, détournement supposé, prétendu, il y a 100 jours. Mais, Tango Ndeko Bilikamba qui était ministre de la jeunesse du gouvernement Sylvestre Lukamba ko bimaneka na gouvernement abandai ko tiamoto et le président de la République lui a répondu un jour la déclaration moral baki azizali ko yebisa ba apprenti sorcier de gens bazan na bazoba tiamoto na katia INC batika yango et ya yebike président Vital Kamere a rappelé bango à l'ordre calmer kota ki pendant un certain temps mais na moni Ndeko Billy Kambale a eu quoi alimenter sous toile pour qu'on répondre na attaque au Batiaki. Balobi, comment vous allez soutenir l'état de siège? Comment vous êtes dans les institutions? Mais vos frères biologiques, vous allez participer à un crime, à complicité. Nous le savons très bien à l'est de notre pays. Batu o batu kanga maman récemment qui a fait 25 ans en complicité avec le rebelle yemuta ravita rabango yemuta mimela rabango biloko c'est-à-dire complicité ba population ya est ezali pe makasi na guerre na insécurité aux alliés à l'est de notre pays yango aussi la caractère nengwana on a estimé que muto bazalaki ba kanga ki c'était le frère de Billy. Billy c'est normal, il s'est senti choqué. Voulant se justifier, Ndé Akei Moussika Alobi, état de siège, Ezali, échec. Depuis mai, Batie Yango, le lot Ezali, dans le mois d'octobre, et Sali, le résultat, Yama Longate. Et Sengeli, tu réévalué Yango. C'est ce qu'il a dit, dans le tweet, Naé. Et Sali, buzz, na toile. Batunio, son bazo, le bel Yango. Est-ce que UNC Ezali, n'a droit? Yako, taxé. État de siège, décision au Mokonzambouk d'un échec, d'autant plus que Bango Bazo faire partie de la coalition FCC Cash. Est-ce qu'ils allaient désamourter? Est-ce que Bazali ko renforcer séparation que ils allaient coexister? Est-ce qu'ils allaient étaler, annuiter le problème de Bango à l'interne? Ce sont toutes ces questions que nous sommes en train de nous poser. Et j'estime que Namiko Lekoya, réponse est Kozala. À l'obi, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour na kobongisa. Il dit tout leader nandé qui s'oppose au génocide des nandé est toujours associé aux ADEF. Ça ne sert à rien de créer des petits frères artificiels. Voilà. Il dit ça ne sert à rien de créer des petits frères artificiels. Et waneza makambo na bisaki bino, c'est-à-dire on avait estimé que les kinayas allaient impliquer bakangi les kinayé na makambo ba ADEF. Yango lobby, il ne sert à rien de créer des petits frères artificiels. L'état de siège est un échec, il faut le réévaluer. Il n'est jamais tard. À lobby, il faut qu'on réévalue l'état de siège parce qu'il s'imbite.
dans une certaine mesure, dans une large mesure, Nakolo Bazaline a raison, puis Azaline a tort. Azaline a raison. Pourquoi? Parce que état de siège instauré depuis le mois de mai, tout est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Tout le monde dit ça, à peu près 6 mois ou 5 mois. Ce qui est une décision, 6 mois, beaucoup de ça, l'évaluation a mis parcours pour nous dire et ça, l'inini. Ben chèque n'ango ezalini ba faiblesse n'ango ezalini pour n'ako réadapter yango ko réorganiser yango. Là il a raison, mais Solomon il a tort. Pourquoi? Parce qu'il intervient parce que batangi yé, c'est-à-dire c'est pas un homme d'état. Est-ce que senga kikaka alobela makambuya état de siège tong batangi ndekonaye? Non. Comme un homme d'État, quand le jean maire à l'est de notre pays, il fallait ça la préoccuper, il fallait qu'il y ait le bango. Mais Azeli Karatong va toucher personnellement en impliquant son frère d'y réagir. Je trouve que côté qu'on a Azeli n'a tort parce que déclaration d'Azeli inopportune, Azeli par contre une réaction vis-à-vis d'une attaque supposée au Yazwaki n'engi bafunda kiye. Et il a voulu se justifier. Et en voulant se justifier, il est allé très loin en qualifiant l'état de siège d'un échec. Moi, je pense que Ndenge na lobby, vous comprenez, il a une part de raison et il a une part de mensonge, parce qu'inopportun, à ça, on a un moment inopportun, mais de l'autre côté, c'est normal, Moutou a kanissa à réfléchir sur une disposition mise en place par le président de la République depuis 6 mois, Kumituna et Keiwapi, ils ont salané. Et puis, il doit s'informer. Depuis, l'état de siège est mis en place, il y a un Stat Fox qui existe. Où ils allaient, Namukonziambo, Kazali numéro 1, Bazali na premier ministre, Kazali numéro 2, Bazali na ministre de l'intérieur numéro 3, Bazali na ministre de la défense numéro 4. Mais quand il y a Stack Fox, il y a une évaluation, il travaille en synergie avec le gouverneur militaire de la province, notamment Nord Kivu, Nassil Kivu, pour savoir quel est l'état d'évolution et l'état de siège, qu'est-ce qu'il faut faire, dotation, et ainsi de suite. État de siège, ils allaient forme juridique. Oyo constitue pessimo kondiambo kan dingi ça, c'est qu'on décide lorsqu'il y a des situations graves qui menacent la sécurité et l'intégrité du pays. C'est ce qu'il a fait. Ça dit c'est un moment où on concentre tous les efforts de l'État pour nous résoudre comme il y a guerre. Pour une histoire en Bokanabiso, c'est une grande première qu'on concentre les énergies et les efforts de l'État pour nous résoudre Makambo Est. Mais seulement, il faut savoir, Toyeba, il faut qu'on ait un peu de la patience. C'est normal que tout ça n'a pas patience, parce que quand nos frères meurent, patience, c'est la tête de Tokbazokoufan. C'est normal que tout ça très énervé, tout ça agité, tout ça plus de force et puis tout ça plus de résultats par rapport à l'état de siège où ils allaient instituer par les présidents de la République. Tu boucles le dossier à l'Imbosso, tu mets le dossier, tu continues le dossier à Mibale, où on va parler l'audience Oyo, président de l'Assemblée nationale et le bureau, le président Mbosso, accorda qui n'a pas ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo. Ils ont 12 ambassadeurs, parce qu'ils ont réussi le lobby, et tu as bien dit ça qu'ils vont être président de l'Assemblée nationale. Ambassadeur des pays africains accrédité à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain et c'est un signe de confiance. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Alingaki Asololana Bango, notamment sur les inquiétudes où Zali Kozala manifesté par rapport au processus électoral. Nous avons des tendances qui se dégagent. Vous savez tous, Nengenini, Banganganzambi, Bazon Dongwana. Quelques jours avant, il y avait l'abbé Donatien Cholet qui montait au créneau pour décrier
fustigé attitude, notamment la désignation il y a de Denis Kadima, où il a estimé que corruption et salamaki makasi, mais non c'est salaki. Il a donné un exemple, Paton Alobi, ma confession religieuse, là, là, qu'un hôtel du fleuve. Une nuit dans l'hôtel du fleuve, d'après les informations, c'est $5,000. À Tuni, banani va foutre la bamboum. Donc, c'est clair, pour lui, Batou Oyo Bazali qui a imposé des nika dimandé Bazali qui a foutre la bamboum. Et notamment, il pense que le président de la République, Azali, entré. Il a influencé la désignation de Denis Kadima parce que Azali candidat naïe. De l'autre côté, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le monsieur Oyo Bazali qui a estimé que nani ndeko l'abbé le pasteur Dodo Kamba a aussi organisé une activité de communication dans laquelle a décrié à Lobi Makunyonso Oyo Bandeko Bazali ko sala ya ndeko donation chole ezali de l'escroquerie ezali tout simplement ba déclaration de nature et rejeté du discrédit ba Lobi Bangonion sauté mouto Bazali ko lala na hôtel du fleuve car un batumi balé Bazali yé Azola Lakuna na représentant église mousso sont à deux alors ce que Bazali ko fanda kuna c'est par rapport à leur sécurité parce que quand dans la sécurité de Bango vis-à-vis il y a une menace aux Bazali qu'aux a proféré contre Bango ni Azola Lakuna vraiment il a balayé de revers de la main toutes les accusations portées contre Bango par les camps il y a un épisode où il y a Tiko Tak il y a Tindika Boe Zongisa Boe il y a Bakofi Ozobetama ou a Beti ou a Zongisi. Le président de l'Assemblée nationale a estimé qu'il fallait qu'il rassure Baba Sader. Mais du point de vue il y a relation entre États, l'Union africaine ou les ambassadeurs Bazali, partenaire, il y a République démocratique du Congo parce qu'ils ont représenté l'intérêt, il y a beaucoup de Bango, République démocratique du Congo. C'est normal que tout solo la Kana Bango pour leur faire savoir évolution et la situation à la Bureau Kanabisson. Là, c'est normal. Tu aurais qu'à informer Bango. Tu aurais qu'à dire Bango, dégainé ni ma caméra de salam. Mais seulement, je note une chose, au CP de Salangaïté, c'est que, à République démocratique du Congo, nous avons tendance, Yako, Koumisa Koumatissa ambassadeur, leur accorder autant d'importance que Obiso Tosalité. Est-ce que tu as frappé dans le complexe d'infériorité? Est-ce que tu s'estimes inférieur à eux? Ni yango moutetine d'Arabiso, tu as développé ma petite île, y a tout le monde qui a résigné. Ma petite île, y a tout le monde qui a été banga. Attitude, y a tout le monde. Je parle des institutions, bien entendu. Les institutions de la République démocratique du Congo, ma cornaka, ma importance, moko. Na bandeko ya libanda oyo msoso ezali na sensité o ezali ko valoriser bisoté. Il a parlé avec eux ezali le 11 lundi 11 octobre ba sololi na sortir ya audience tabango moto azoki maloba ezala ki monsieur Rachid Agassim azali ambassadeur ya Union africaine, c'est-à-dire azali doyen ya ambassadeur africain Azali et respectivement ambassadeur à Maroc. Yende Mouta Sololaki, na caméra, il a dit to Sololi na président Bosso, na kati entretien na président na kati consultation régulière par rapport à pays africain. Azali ko marquer signe ya confiance entre les États et président et Mbosso a ibisi biso ke représentation na ye a présenté sincèrement puis de manière détaillée évolution et processus électoral. A ibisi biso ezali facilité mais ba pays union ce monde bazali ko tia likebi na échéance électorale ou à 2023 et puis après wana a expliqué que les alliés importants pour la démocratie ainsi de suite que ba échéance est à la respecter ou les alliés masolo ou yebetamaki entre le président Bosso le bureau de l'Assemblée nationale et la représentant une poignée des ambassadeurs africains accrédités en République démocratique du Congo. Boyoki na mokuse masolo tobeta ki to lingela ki pona biso na kati émission oyebi bien pour clôturer que les ambassadeurs sont tenus na eloko mo babengi convention de Vienne. Convention de Vienne ezali ko dicter les attitudes, les gestes et les comportements oyo ba ambassadeur ifongo esengeli ba lakisa ton bazali na pays oyo bazali ko sala musala na bango. Ce sont des gens faut bazala discret.
faut ils abattent Oyo baso pe sa position tina bango sur des questions où est Alimboka place bango bazali. Ce sont des gens au faut bazali na probité morale ya makasi. Ce qui n'est un ambassadeur dans un pays étranger bamukangi auti ko mela masanga auti ko langwa et pour créer un incident diplomatique ya makasi jusqu'au niveau bako ko bengana e. On peut chasser un ambassadeur parce que tout simplement à outer qui commet la massacre. On peut chasser un ambassadeur pour outer qu'on a la base Ndumba. C'est-à-dire, à un certain moment, Bissopé comme un État, il s'engueule, tout se fait respecter. L'ambassadeur Bazali, accrédité en République démocratique du Congo, Babanga Congo, Talama Kambeucho Salama Kalaminité, par exemple, l'ambassadeur italien Azali Avalakmini, à Congo, a se déplacé de lui-même. Accueilli au Tambola entre guillemets au Azali dans convoi humanitaire. Mais un ambassadeur avant Tambola, Namboka, étranger, et Sengeli Foyebisa, ministre en charge de la sécurité, notamment à Abissou dans Congo, ministre en charge de la sécurité, et les ministres en intérieur. Foyebisa est accueilli ici à Songolo Pakala. D'abord, un Akoyebisa, ministre affaires étrangères, Akoyebisa responsable, il y a Ouattali Makambouya sécurité, c'est-à-dire ministre de l'intérieur. Akoyebisa est itinéraire précise. Alumina Longwe na Kinshasa, na Rokende Kolwezi, na 12h, Souk na Longwe Kolwezi na 12h, na Rokoma Goma na 15h. Souk na Longwe Goma na 12h, na Rokende na Giseni, na Teller ou na Teller. Et de cette manière, bateau à sécurité, ça veut dire le ministre de la sécurité, Akoyeba Nengeni Koutia à disposition. Une surveillance de tel ensemble qui va assurer sécurité, il y a ambassadeur. Mais quand des gens se permettent de faire ce qu'ils veulent dans notre pays, c'est parce que tout simplement, ils se moquent de nos alliés, de notre dignité et les gens se moquent de nous. Pour clore, na PC et na Sengibino, bon s'abonner massivement à la chaîne Abisso RDC Monde, bon liker, bon partager. Et puis, pour prendre rendez-vous, c'est-à-dire, pour éviter, pour Kabali Solo, dites-leur que chaque jour, M. Héritier Ngachi, pour découvrir partout ailleurs, à Kobanda, qu'au solo là, sur le sujet d'actualité, chaque jour, du lundi au samedi, tu vas nous mettre ma solo d'actualité. Au Tali, aux armes à moi disponibilité, au Koti, vous verrez une émission dans laquelle vous allez analyser l'actualité sans parti pris, sans sentiment, ni état. Dame ni émotion. Pour le reste, ce qui nzambe a bengi sibi sauté, tokokutana mbalasima. Na pesi mbote et toutes mes remerciements, tous mes remerciements à maman Pauline Lumumba qui est la visionnaire. Il y a RDC Monde et aussi il y a chaîne Nabiso RDC Monde et puis na pesi ndekonanga Rodrigue derrière la belle vitrée. Merci pour la moussala pour ce qui te commettit na banda kunabino, c'est parce qu'il a travaillé, il a assuré un travail de titan. Pour le reste, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ciao, ciao. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande konanga kotonga mboka esengika bolingo bino moko bomoni transparence to laxibino kote mbongo moyibe yate lokuta pe ezate alors boya to sangana to tonga mboka na biso le grand Congo. Merci maloba ya présidente RDC Monde Pauline Lumumba à Genève.